Salut à tous et à toutes, c'est Antoine 256. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Bah oui, ça peut pas être ailleurs, je suis con. Non, je rigole. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon histoire. Je vais parler où je suis né, là où j'ai grandi, mes voyages, des trucs comme ça. Et il y a un moment, avec Mathis, il y a à peu près 5-6 mois, on a fait un tournage avec différents lieux qui m'ont marqué dans mon adolescence. Bon, j'étais pas habillé pareil, vous en faites pas. Mais il y a un moment, vous allez les voir, c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Donc, je suis né à Redon, dans le 35, en Ille-et-Vilaine. Voilà pourquoi je supporte le Stade Rennais. Hop, attendez, je vais essayer de mieux faire... Voilà. Pourquoi je supporte le Stade Rennais. Ouais, j'ai un retour, je filme avec OBS. Ensuite, j'ai grandi en Bretagne. Plus précisément, dans une ville qui s'appelle La Gacille. Ensuite... J'ai fait tout mon année scolaire à la Gacille jusqu'en CE1. Arrivé en CE1, je déménageais à Ploërmel parce que j'avais une sœur qui était à Ploërmel. Donc j'ai fait CE1 jusqu'à une école à Ploërmel et ensuite je suis allé au collège. En gros, à Ploërmel, j'ai fait école primaire, collège, lycée. Donc voilà. Mes voyages. Je suis parti en voyage, alors, en Espagne à l'âge de 6 ans. 6 ans, 5 ans, je crois. 6 ans, avec mes frères, avec mon frère, mes neveux, oui, mes neveux, oui, mes neveux, et mes parents. Pourquoi mes neveux alors que j'avais 5 ans? C'est compliqué. La vidéo va durer une heure. En gros, si vous voulez, bah. Mon frère n'est pas de ma mère. Mon père s'est marié avec quelqu'un d'autre. Bref. Mais quand je dis s'est marié avec quelqu'un d'autre, c'est que c'est avant de connaître ma mère. Voilà. Ensuite, je suis allé en Espagne. Après, alors je vais faire les grands voyages, parce que sinon il y a des voyages où je vais voir ma grand-mère, des trucs comme ça. Ensuite, vers 2011-2012, je suis allé... 2009 ou 2010, je sais plus. Je suis allé à Paris avec ma classe de CE1 pendant 3 jours. Et là, ce voyage m'a plu. Bah, tous les voyages m'ont plu, mais celui-là encore plus parce que, en étant foutu, j'ai vu le Stade de France, le Parc des Princes. J'ai vu les grands monuments de Paris que j'ai jamais vus. Si, à travers une vidéo ou à travers des émissions télé, mais c'est encore mieux. À travers. Quand on voit. Voilà. Désolé si je mélange, c'est juste que je cherche mes mots. Ensuite, je suis allé... Alors, une fois en Angleterre. Une fois... Ça, c'était en cinquième. Une fois... Alors, en Angleterre, je crois que j'avais fait Jersey. Je crois. Non. J'ai fait l'Angleterre. En quatrième, j'ai fait... Jersey. En troisième, pour un petit voyage de fin avec la classe, j'ai fait Jersey. Et en première année de CAP, j'ai fait Jersey. En gros, je suis allé 4 fois en Angleterre. Malheureusement, j'ai pas réussi à parler bien anglais. C'est bête. Et une fois aussi, c'est pas un voyage pour moi, mais bon, je suis allé dans le Finistère, juste comme ça, pour un championnat, c'est Finistère ou je sais plus, pour le championnat de France de badminton. Voilà, et je suis aussi retourné à Paris avec le badminton pour aller voir la Coupe du Monde de badminton qui se déroulait à Paris-Coubertin, donc la salle de hand du PSG Handball. Donc voilà, ensuite les voyages que je voudrais faire. Alors, je voudrais retourner en Espagne, parce que c'est trop beau là-bas. J'ai même vu le stade de Barcelone, quand même. Faut le faire. Bah, je me vante pas, mais j'ai vu le stade de Barcelone, je crois que j'ai des photos, je sais plus. Ensuite, je suis allé voir en Espagne, là où tous les westerns ont été tournés, je sais plus comment ça s'appelle le lieu. Et je voudrais bien aller en Italie. Pour voir Maranello, qui est le
site constructeur de Ferrari. Comme vous savez, en F1, je suis supporter Ferrari. Même si en carrière, je suis chez Red Bull, mais j'aime bien Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren. Donc voilà. Et ensuite, je voulais aller en Allemagne, mais je me suis dit non. Je voudrais aller, si possible, mais il faut faire des passeports, aux États-Unis. Ah si, et je voulais aller aussi, pardon, aux Pays-Bas. Parce que là-bas, tu as des circuits de F1 et tu as le cast et tu as, pardon, tu as Zandvoort. Le circuit de F1 qui devait être annulé aujourd'hui, bah, qui devait être roulé aujourd'hui par les F1, mais qui a été annulé à cause du Covid-19. Bref, donc du coup, j'irai le voir, et puis pourquoi pas aussi faire un mini tour de France pour voir notre belle France, déjà si j'ai fait, et aller voir aussi un circuit, alors soit rouler sur Le Mans, pas le grand circuit, mais le Mans Bugatti, ou rouler sur le Castellet. Et maintenant, c'est parti pour mon retraçage d'adolescence. Tout ça en Twin 56 avec caméraman Mathis. J'espère pas montrer, je montre après. Il y a le chef Evan. Il y a Evan. Vlad le Russe. Donc, Mathis et moi, on voulait faire une vidéo depuis longtemps où on retrace mon adolescence. Et Mathis, on est où là actuellement? À la Pérouse. Putain, je me suis fait une voiture. À Ploermel, c'est là où Mathis et moi on s'est connus. Donc, on ne veut pas trop filmer parce qu'il y a des gens. Mais au pire, je me dirige là-bas et puis tu filmes vite fait. Ouais, vas-y. Donc c'est ici qu'on a fait notre premier entraînement, notre premier jeu de foot. Vas-y, tiens, je te passe la main, vas-y, je vais pouvoir. Ouais. Tiens, par contre, non, il se oui, tiens, pas ça. Notre premier, nos premières passes. Hein, Mathis? Regardez. Coucou. C'est là, il y a le truc là. Ça fait un petit peu de... Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, je sais pas. Attendez, on va attendre que Papy se rate sa remorque. Allez, pépé. Mec, il a une grosse voiture, il a une petite remorque. Donc, hop, Mathis, ça fait quoi de revenir ici 6 ans après? Ça fait un peu bizarre. Tu te rappelles sur ce terrain là-bas, c'est la première fois que tu as mis que les attaques où les jeunes y jouent en plus. Donc voilà, bon, on se retrouve du coup, on se retrouve en plein milieu des deux lieux qui m'ont fait un petit peu grandir, on va dire. Je suis en plein milieu de mon lycée, donc si vous voulez, il y a le monument moi. Mais c'est à peu près pareil. Et donc, j'étais au lycée qui est à quoi 50 mètres et au collège à on va dire combien 300 mètres. Oui. Donc la prochaine fois, je serai peut-être pas habillé pareil parce qu'on fera ça un samedi. On se retrouvera où, Mathis? Au meuf. Mais ça c'est pour toi ça. Non. On se retrouvera où à commencer les matins d'AFC. Allez, ciao. On va appeler ça comme ça. Ah, si tu fais pas le portugais qui tient la caméra, on va pas citer le nom. Merci. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'ancien cité par mec qui a été déménagé pour foot, que ça fait trop de bruit. Les ballons, désolé du vent, les ballons qui font trop de bruit sur les bars. Donc, du coup, bah, petite vidéo pour vous dire que en fait, tout ici, le club a commencé, Matata FC a commencé ici. On a même gagné un tournoi ici, Mathis peut confirmer. Je le sympathise, oui. Surtout avant ici, juste au marquage à peu près vers là, là il y avait les buts. Et du coup, là. Ouais, ici là. Il y avait les buts. Et là-bas, bah c'est ouais, là-bas. À peu près des bancs là-bas. Ouais, mais du coup il n'y avait plus de personnes. Du coup. À peu près des bancs. On a gagné une finale serrée. Je vois Mathis tout seul. Je me dis, vas-y, relance. Et ce bâtard, il fait quoi? Il fait une retournée acrobatique. Salut la team. On reprend la vidéo où je retrace mon adolescence. Donc là je suis au parc de Ploermel. Et pourquoi au parc? Pour la simple unique raison que avec des amis, alors je sais plus si on était là ou là, il y avait Mathis et d'autres amis à moi, d'autres amis je parlais plus, et j'avais mon costume de clown, et comme c'était la fameuse période des clowns tueurs, j'ai Mathis vient leur faire un prank, surtout qu'il y en a qui n'aiment pas les clowns. Donc Mathis, désolé du cadrage, la main est arrivée de là-bas. À la petite porte, bah on va aller d'ailleurs à la petite porte. Moi je l'ai vu d'ici. Et sachant que c'était à peu près en automne, il y avait plein de feuilles d'ici. Ici, il y avait plein de feuilles d'ailleurs, ils ont tout nettoyé.
Moi je m'apprête à courir pour faire quoi? C'est vraiment un bon tueur. Et bah je fais quoi? Je me gamelle. Je vous jure, je me gamelle. Je tombe. Donc gamelle tombe, c'est un peu pareil. Et je me fais un retournement du genou deux ou trois fois, je sais plus, je crois que c'est trois fois. Et donc je me relève, je retourne à la table qui est là-bas. Et là bah je vous laisse venir la suite, les pompiers sont venus et puis voilà. Donc attendez, je pose juste mon skate parce que c'est pas possible, là j'ai mal au bras. Donc tout le monde est en panique, Mathis a eu le bon réflexe d'appeler les pompiers. Bon, Plarmel sont venus pour ensuite appeler les pompiers de guerre pour qu'ils viennent me chercher pour que l'hôpital de Plarmel qui est juste derrière le bâtiment que vous voyez là-bas m'amène. Donc il y avait quoi, à peine 900 mètres à faire, mais pas plus. Mais d'ailleurs vous voyez un petit peu l'hôpital là-bas. Donc voilà, je vais dézoomer et on se retrouve à la prochaine séquence de vidéo.